Habituellement, être privé de l'une de ses mains constituait un obstacle qui empêche les gens de mieux avancer dans la vie. Pourtant, certaines personnes défient cet obstacle car pour eux, le vrai handicap est de penser que c'est impossible quand rien ne l'est vraiment. C'est le cas de Najah Sharif. Najah Sharif, عمري 26 سنة. Pendant la période de chômage, Najah Sharif cherchait à mieux faire usage de sa main droite, jusqu'à la peu fonctionnelle, et de rendre son handicap une force d'invention. Najah Sharif a transformé sa maison en centre de recherche pour trouver une solution et a réussi et a réalisé un stylo pour écrire sur les tablettes et les téléphones intelligents. Il a réalisé une application rend possible avec ce stylo d'écrire facilement des lettres inintelligibles avec des caractères numériques de lecture facile. En décembre 2014, Najah Sharif a créé sa propre compagnie avec l'homme d'affaires Mansouf Salami. Il a pu vendre son produit dans plusieurs pays dans le monde, y compris la Bulgarie, la Turquie et plusieurs pays africains. On a sorti 5000 stylos, fini. On a vendu ce produit. Vers la fin de l'année 2015, Najah Sharif a réussi de trouver une solution pour empêcher les opérations terroristes en identifiant à travers la technologie la personnalité de chaque résident dans un hôtel. Concept de recherche. Un produit fini. Après plus d'un an de recherche et de développement, la société Kotek a été en mesure, après la signature d'un contrat avec la fournisseur d'Internet Tunisie Télécom et d'un accord de principe avec le ministère du Tourisme et le ministère de l'Intérieur, et lancer la réalisation de ces produits au cours de cette année.